Les amis, je sais ce que vous vous dites, cet homme est vraiment magnifique, je sais, mais vous vous dites également autre chose. Encore une vidéo d'un youtubeur qui n'a pas d'imagination et qui va donc réagir à ses anciennes vidéos, c'est vrai. Mais, pour ma défense, il y a du lourd. J'ai des choses à vous montrer qui sont incroyables. Parce que si vous ne le savez pas, d'ailleurs vous ne le savez pas, hein, c'est impossible de savoir. Il y avait une chaîne YouTube avant de connaître la gloire... Je faisais du Minecraft pour être plus précis. Ce sont ces petites perles de malaise qui vont comme ça là, vous effleurer le visage. Préparez la ventoline, c'est parti pour le pire moment de ma vie. Je ne sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Je suis pas vraiment fier, hein, on peut le dire. Je propose qu'on commence tout simplement par la première, c'est parti, on y va. On est le 24 janvier 2013. C'est parti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gotrak. On se retrouve, enfin on se trouve. Je vous expliquerai tout plus tard, vous verrez, c'est assez, quand même assez bizarre cette histoire. Je vous raconterai ça plus tard. Je suis donc au lycée en seconde, bientôt 16 ans. Aïe aïe aïe. Ce qui me choque, c'est que normalement, enfin moi je vois des gens de 16 ans maintenant, ils sont... Tu sais, c'est des adultes presque. On a pas tous la même évolution, hein, j'ai l'impression quand même. Il faut savoir que j'ai un perroquet. Ceux qui s'intéressent, mon perroquet est mort. Voilà. Je m'étais HD à chaque fois à la fin de mes vidéos en mode je me suis dit là comme ça les gens ils vont cliquer. Ah 5400 vues. Salut à toutes et à tous. On sent là j'ai pris la confiance hein déjà. Ça c'est énorme. Ça faut que je vous en parle. Ce qui est trop bien c'est qu'en fait à l'époque on était plusieurs petits youtubeurs à faire des trucs Minecraft et tout. Et donc là j'ai fait une série avec je me rappelle une fille qui s'appelait Picsou puis Pikmin, je sais plus, je devais être bien à l'aise parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas, hein. Voilà. 2, 1, go. Bonjour. Attends, non, frère, fais un effort, déjà ça commence, il y a le 3, 2, 1. 2, 1, go. Allez, c'est parti, mon champion. Mais le monde qu'il y a, quoi. Ça se voit que je suis pas à l'aise du tout, je suis pas à l'aise du tout, les gars. Manon, t'es pas là? Si, je suis là. Petit bug, je suis juste, je suis exactement sur toi, là. 6 likes, dont un de moi, hein, toujours pareil. Mon absence sur YouTube est un serveur. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo sur deux que je faisais, c'était voilà pourquoi en ce moment je suis pas actif et tout. Ah, petite intro, hein, on en a pas parlé, mais. Comme vous le savez, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas mis de vidéo. J'ai beaucoup de boulot entre la seconde, bientôt là, ouais, la fin de l'année. Mais qui a du travail en seconde? T'as même pas le bac français, t'as rien à passer en seconde, c'est l'année la plus tranquille, de quoi tu parles? Un planning bien rythmé. Donc le lundi, ça... Ouais, là, ta phrase était bien rythmée, en tout cas. On va continuer un petit peu. L'eau n'est pas aménagée, voilà, un petit message tout complètement immature, mais ça me fait trop rire, cet humour. Bon, je suis gêné, j'ai envie de me chier dessus. Ça vous fait pas ça, vous aussi, des fois? Pareil, comme à la fois avec Pix, j'ai un mec que je connaissais pas, et j'ai fait une série avec lui. Dans la map Super Mario Bros. Avec Gotrak20 qui fait n'importe quoi. Attends, c'est chelou. C'est quoi ce voix de daron, là? Gotrak20, il a une chaîne aussi que vous pouvez aller voir. D'abord, voilà, on est sur une petite map aventure freestyle où on peut manger des croquettes, notamment. C'est absolument faux. Donc je travaille pour me faire un peu de flouze, pour pouvoir me payer des prostitutes. Non, je rigole. Oh, putain de sa mère. Oh non, là c'est dur. Là c'est dur ce que je suis en train de faire. Regardez, je vous mens pas. J'ai les frissons de gêne. J'espère que ça va faire la mise au point. Ça fait pas la mise au point. Je le remets ou pas? Non, je le remets pas. Oh là là là. Bon, merci aussi, puisqu'on est bientôt 50, on est 49 exactement. Donc 14 juillet 2015, au point de vue de la loi, là je suis un adulte. Voilà, la vidéo que vous voyez là, j'ai le droit de vote, voilà. C'était une gêne, les amis. Je me rappelle déjà, il y a une photo de Kenji là, ça part mal cette histoire. Allez, ça commence le malaise déjà. Ah, mais oui, du coup, j'ai commencé les facecam. J'avais oublié ça. Ah, ma tronche, Maxou 18 ans. Petit problème capillaire, ça s'est jamais arrangé. Qui oserait manger un mec qui vient de rater son bac? Oh, c'est nul. Ça serait de la torture. C'est nul, c'est affligeant. Make your dreams come true. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc ça, c'était il y a 5 ans, en 2013. Tu es en CP parce qu'il y a plein de fautes. Il y a plein de fautes, sans S. Nouveau tuto, où je vais vous expliquer comment faire marcher un stylo 4 couleurs. Ok. Vous voyez cette ligne, c'est la ligne de l'enfer, on l'a appelée la ligne interdite. Pourquoi la vidéo est carrée déjà? J'ai roté là? Putain, j'ai pas changé par contre. Ah, attendez, il y a un petit sketch, on va mettre en grand là. Attends, chut.
je sais ce que tu veux. Ah, c'est pas un sketch. Les cheveux, je sais. Bah, je tente des trucs des fois. J'ai des palpitations, vraiment. Oh, avec du PNL et tout, attention, hein. Ah, je me prenais trop pour un... je me prenais pour un pro, ça me fume. Attendez. Quoi, le chien. Ah, c'est drôle ça, arrêtez. Il est mort en martyr. Alors, ce qui est drôle dans cette phrase, c'est que mon chien est vraiment mort pour le coup. Donc, c'est marrant. On continue. Elle attend le micro à la caméra, tu sais pas la personne. C'est le gars. Heureusement qu'elle tend pas le micro à Calmerad. Parce que là, ça serait cocasse. Parce que Calmerad, c'est. On s'arrête là. On a une autre dose, hein, autant vous que moi. On tire une croix dessus. On n'en parle plus. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Alors en fait, je sais pas si vous le savez, mais souvent au cinéma, il y a des moments où rien ne se passe comme prévu.